Bonjour à tous. Elles sont 17. 17 femmes prix Nobel de sciences sur 590 prix Nobel de sciences attribués à des hommes. Ça se passe de commentaires. Est-ce à dire que les femmes sont moins aptes aux sciences ? Hélène Merdebéral, mon invitée, est professeure d'hématologie, c'est une éminente spécialiste des leucémies. Elle s'est penchée sur le parcours de ces 17 femmes, et avec elle, nous allons voir que les choses sont plus compliquées que ça, beaucoup plus compliquées. Hélène Merdebéral. Bonjour. Bonjour Hélène Merdebéral, bienvenue à Pau. Alors, comment vous est venu ce constat que je viens d'énoncer dans notre propos introductif? Comment vous est-il venu? Parce que c'est effrayant quand même quand on dit juste ce chiffre-là, 17 sur 590. En fait, c'était pas ça ma première motivation. Ma première motivation, c'était la lecture de l'autobiographie de l'une d'entre elles, qui n'est pas très connue en France, mais qui est une icône en Italie, qui est Rita Levi-Montalcini. Et j'ai été très impressionnée par son parcours, à la fois par son itinéraire scientifique. Elle a découvert le facteur de croissance des cellules nerveuses. Elle a mis 30 ans pour le faire. C'est une avancée fantastique dans l'histoire de la médecine. Et puis surtout, sa vie personnelle qui était émaillée de combats particulièrement durs, puisqu'en dehors de la misogynie qui était vraiment violente en Italie ou dans la première partie du XXe siècle, elle a lutté aussi contre le fascisme. Elle était juive, elle a été persécutée. Donc, je me suis posé simplement la question. Ce n'était pas une question de nombre. Je ne les connais pas, les autres. À part Marie Curie, je ne les connaissais pas. Et j'ai cherché, j'ai été sidérée de voir qu'il y en avait si peu. Quand j'ai commencé à écrire, il y en avait 14. J'ai commencé il y a 3 ans, il y en avait 14. Maintenant, il y en a 17. Mais voilà. Donc mon cheminement n'était pas du tout féministe, mon cheminement était l'intérêt pour une biographie en fait. Mais il est devenu féministe, votre cheminement ? Déjà vous me lancez sur le chemin du féminisme, je le suis devenu un peu évidemment parce que je me suis rendu compte de leur combat et je ne me rendais pas compte. Moi, qui suis quand même dans la deuxième partie du XXe siècle, je ne me rendais pas compte à quel point elles ont été vraiment persécutées. C'est un fléau, la misogynie. Oui. Je ne me rendais pas compte que c'était aussi violent. Je ne me sentais pas du tout consciente d'une victimisation liée au sexe. Et je me rends compte quand même que ça existe encore, malheureusement. Je me rends compte aussi de la nécessité de me battre. En tous les cas, je leur suis très reconnaissante. Assez féministe de la première heure, parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, on peut quand même accéder à presque tous les postes. On verra ça un petit peu plus tard, effectivement. Quel point commun avez-vous découvert dans ces trajectoires, dans ces parcours de vie de ces femmes? Le premier point commun, c'est l'adversité. C'est le postulat de base, de toute façon. Mais au-delà de ça, dans leur personnalité à chacune d'entre elles, il y a des points communs quand même. Oui. Alors, le point commun mais frappant et majeur, c'est, je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit purement féminin, hein, mais c'est la curiosité intellectuelle. Elles sont vraiment désireuses de comprendre, de décrypter un mystère de la nature, d'expliquer quelque chose qui est pour le moment très mystérieux et incompris, et puis de participer à cette connaissance du monde. Marie Curie disait... la science, c'est la recherche, c'est traquer les mystères de la nature, et c'est essayer de cette quête du savoir. Elle doit être éternelle et inépuisable. Voilà. Et ça m'a frappée. Elles sont toutes dévorées de curiosité intellectuelle. Et cette curiosité, elle repose également dans tous les cas sur la passion. Elles sont heureuses, ces femmes. Elles se lèvent le matin avec le désir d'aller voir les résultats des expériences de la veille. Et la plupart disent une journée sans résultat, c'est une journée perdue. Ouais. Et quand elles atteignent l'âge de la retraite, elles continuent, elles ne s'arrêtent pas. Et la plupart ont travaillé, celles qui sont mortes, pratiquement jusqu'aux dernières semaines de leur vie. C'est impressionnant. Ouais. C'est le cas d'ailleurs de Rita Levi-Montalcini, qui a 100 ans encore. Elle allait à son laboratoire tous les jours.
Ouais. À plus de 100 ans. Elle est morte à 102 ans et franchement, elle a travaillé jusqu'à la fin. Et en plus, comme elle, c'est très encourageant parce qu'elle travaillait sur les cerveaux, les cellules nerveuses, et elle dit qu'on ne vieillit pas, pas plus les hommes que les femmes, mais on dit qu'il suffit de faire travailler ces neurones, on croit qu'ils s'éteignent, et même pas du tout, ils continuent à se multiplier. Je trouve ça très encourageant. Moi, j'ai l'impression parfois de perdre un peu la mémoire, et maintenant, il paraît que si je travaille un peu, ça va s'arranger, ça va aller. Voilà. C'est très rassurant. D'ailleurs, oui. Les idées mènent le monde, c'est l'un des objectifs aussi, hein, oui. C'est continuer à faire travailler. Voilà. Outre la curiosité, ces femmes-là, lorsqu'on lit leur parcours, il y a quelque chose qui frappe, c'est la détermination. Oui. Qu'il a l'heure, parce que... Oui. Mais sans ça, elle n'aurait rien fait. Je me rends compte qu'il y en a peut-être d'autres qui étaient aussi compétentes, qui avaient de très bonnes idées, qui ont fait des découvertes sûrement fantastiques, mais celles-là, elles étaient prêtes à travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Il y en a une qui était très brillante, c'est une des deux prix Nobel de physique avec Marie Curie. Elle a travaillé pendant 30 ans, complètement bénévolement, simplement pour avoir le droit de travailler et d'accéder au laboratoire et d'être acceptée, alors que c'était une des meilleures physicienne du monde. Elle a travaillé sur la fission nucléaire, elle a découvert une partie de la... Elle a fait des découvertes fondamentales sur la structure de l'atome, enfin, elle était impressionnante. Et bien, elle a travaillé pendant 30 ans bénévolement. Et vous disiez justement, effectivement, la découverte de la misogynie qui règne dans cet univers-là, dans notre domaine, bien sûr, mais dans celui-là, c'est celui qui nous préoccupe aujourd'hui. Rappelons quand même, et c'est frappant à la lecture de votre livre, les lois anti-népotisme, je parle des États-Unis notamment, mais c'était un petit peu différent. Mais aux États-Unis, dans les années 70, c'était encore le cas, c'est-à-dire qu'une femme, et notamment les épouses scientifiques, parce qu'on parlera aussi des couples, eh bien, ne pouvait pas travailler dans un laboratoire. Il fallait qu'elle le fasse, comme vous le dites, bénévolement. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects des difficultés qu'elles ont rencontrées. C'est effectivement les lois anti-népotisme qui étaient aux États-Unis, et selon ces lois, des personnes de la même famille... En théorie, ce sont des personnes de la même famille n'ont pas le droit de travailler, d'avoir des postes dans la même université. Alors, quand c'était le frère, le père, il y avait des accommodements avec la loi et en général, il avait son poste quand même. Mais par contre, quand c'était les épouses, alors là, ça ne marchait pas du tout comme ça. Et donc, on leur accordait de pouvoir travailler bénévolement avec leur mari dans le laboratoire de leur mari. Mais sinon, en cas de divorce ou de désamour, on pouvait la congédier sans autre forme de procès, c'était fini pour elle. Et puis, la misogynie quand même faisait qu'aussi, dans ces universités, celles qui étaient célibataires, on leur donnait très difficilement des postes élevés. En général, elles avaient beaucoup de temps pour avoir un premier poste, c'était des postes subalternes, et puis on les surchargeait d'activités d'enseignement, de telle sorte qu'elles avaient très peu de temps pour la recherche. Et le deuxième aspect, c'est l'éducation. Aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, les programmes pour les garçons et pour les filles, même dans les écoles mixtes, étaient très différents. Et les filles n'avaient le droit qu'à des activités, des enseignements, des matières culturelles ou la littérature, et puis quand même les bonnes manières et tout ce qu'il faut pour faire plaisir au futur mari. Mais elles n'avaient pas de matières scientifiques en général. Elles n'avaient pas de cours de physique, de maths et de chimie. Et souvent même de latin, matière qui était indispensable pour s'inscrire à certaines facultés, même scientifiques, il fallait connaître le latin, etc. Et donc celles qui étaient attirées par les matières scientifiques et qui voulaient s'inscrire à la fac, il fallait bien sûr qu'elles aient l'autorisation de leur père, sinon elles n'allaient pas. Et jusqu'à la moitié du XXe siècle. Jusqu'à la fin des années 50. Jusqu'à la fin des années 50. Et il fallait qu'elles, en quelques mois ou en un an, elles travaillent d'arrache-pied pour rattraper des années de manque de cours de physique, de chimie et de latin ou d'autres matières qui étaient nécessaires pour pouvoir suivre l'enseignement de la faculté. Laquelle de ces femmes vous a le plus... à laquelle êtes-vous la plus attachée? Attachée, je ne sais pas. Ou qui vous a le plus... Elles m'ont surpris. Demandé un peu de travail, donc je leur suis assez attachée. Bien sûr, je vais sûrement vous décevoir par la banalité de mon choix, mais je crois quand même celle que j'admire le plus, c'est Marie Curie. Parce que franchement, je crois qu'elle est géniale. Je connais peu de personnes géniales, mais je crois qu'elle l'est. À la fois, elle est fascinante par son intelligence, par son intuition, c'est-à-dire qu'elle a quand même découvert la radioactivité. Elle n'était pas toute seule, mais c'est elle quand même.
Elle est la seule à avoir reçu deux prix Nobel. Elle est la seule à avoir reçu deux prix Nobel scientifiques dans deux matières différentes. Il y a un homme qui en a eu une en physique, une en chimie, un autre qui a eu en chimie et l'autre pour la paix. Mmh. Et c'est la seule qui a eu en physique et en chimie, la seule depuis 100. Le prix Nobel a été créé en 1901, donc en 115 ans, c'est la seule. Mmh. Et aussi pour ses qualités personnelles. Oui. D'abord, sa précocité. Je veux dire, j'ai écrit dans mon livre, je crois qu'elle savait lire à 4 ans, mais j'ai appris que c'était 3 ans. Mais je me suis dit, on ne va pas me croire si je dis 3 ans. Mais elle lisait couramment entre 3 et 4 ans, disons. Elle était d'une générosité avec sa famille. Elle s'est sacrifiée pendant 2 ans pour aller jouer les gouvernes, parce qu'elle était polonaise et sa sœur voulait faire des études de médecine. En Pologne, pour les filles, c'est encore plus dur parce que là, les études en faculté étaient interdites. Mmh. Donc, les filles qui voulaient faire des études universitaires, il fallait qu'elles s'expatrient. Mmh. Donc, sa sœur aînée voulait faire des études de médecine et elle-même voulait faire des études de physique. Et donc, elle s'est sacrifiée. Elle a dit à sa sœur, bon, écoute, puisque leur père n'avait pas d'argent parce qu'ils étaient sous le joug russe. Russe, oui. Et donc, il était très mal vu des Russes et ils avaient très peu d'argent. Et donc, elle est partie faire la gouvernante dans une famille au fin fond de la Pologne, où elle élevait les enfants. Des enfants, elle servait d'institutrice, en fait, gouvernante, et pour payer les études de sa sœur à Paris. Mmh. Et sa sœur ne voulait pas ce sacrifice, mais elle disait à sa sœur, mais si, quand tu seras toi-même médecin, tu pourras me payer mes études. Exactement, à mon tour. Oui. Donc, je trouve cette générosité frappante. Ensuite, elle a été d'un désintérêt financier. Elle aurait pu gagner des fortunes. Et elle disait que les découvertes, c'était faire pour en profiter l'univers. Et donc, elle n'a pris aucun brevet, alors qu'elle pourrait être richissime. Ensuite, pendant la guerre, elle était très reconnaissante à la France de l'avoir accueillie. Et donc, pendant la guerre, elle a arrêté toutes ses recherches. Elle s'est mise complètement au service de la France. Elle a créé un service de radiologie mobile. Ambulant. Et elle-même, elle a passé l'équivalent du permis de conduire. Et elle avec sa fille. Avec sa fille ensuite, qu'elle a appelée, qui avait 17 ans. Ouais. Et elle est allée faire un service. Elle a équipé des voitures en scopie, en appareil de radio, pour aller faire directement au milieu des blessés leur radio. Ouais. Et elle a sauvé comme ça des amputations ou même la vie de tas de jeunes hommes en train de faire la guerre. Et puis, bien sûr, il y a eu la rencontre avec Pierre Curie. Et vous rappelez, tout à fait dans votre livre, que le premier prix Nobel de physique qui lui a été attribué, c'était parce que Pierre Curie a signalé au comité des Nobel que sa femme était aussi responsable de la découverte, voire même plus que lui. C'est Absolument. L'intervention du mari. Oui, l'intervention du mari qui l'a su par une indiscrétion d'un membre du comité Nobel de physique. Et on avait oublié effectivement Marie. Donc le membre qui était du comité, qui les connaissait tous les deux, a dit que c'était injuste. Donc normalement, c'est top secret, toutes les décisions et les votes des comités Nobel. Mais il a quand même trouvé ça injuste. Il a prévenu Pierre, qui a pris sa plus belle plume et qui a écrit au membre du comité, effectivement, écoutez, vous oubliez ma femme. Or, elle est à l'origine du progrès, puis c'était son sujet de thèse. Bien sûr. Elle qui est à l'origine de la découverte et qui a participé au moins autant que lui. Mmh. Et donc, ils ont rectifié. Et elle a pu avoir elle a pu être la première femme à avoir le prix Nobel. Petite crise de misogynie, une énième crise de misogynie, au deuxième prix de chimie, prix Nobel de Marie Curie en chimie. Elle n'est vraiment pas du tout dans le bon circuit parce qu'elle vit une lésion adultérine avec Paul Langevin et c'est très 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 mal vu du comité Nobel. On a du mal à imaginer, je peine à imaginer qu'un homme aurait subi les mêmes foudres. Bien sûr que non. Non, mais c'est surtout, c'est pas tellement le comité Nobel, c'est le comité Nobel quand même l'a sauvée, parce que ça a été un drame, elle a eu une dépression nerveuse à la suite, elle voulait même se suicider, parce qu'après la mort de Pierre, elle a été séduite, elle a vécu une passion amoureuse et réciproque avec Paul Langevin, un autre grand physicien, avec qui d'ailleurs elle a eu des relations après professionnelles jusqu'à la fin de sa vie, elle l'admirait beaucoup aussi, s'admirait mutuellement. Enfin, ça a été une passion amoureuse, mais il était marié, il avait 4 enfants. Il était mal marié, paraît-il, puisqu'il avait vraiment un couple qui défrayait la chronique tellement que ça se passait mal, et il avait lui-même de nombreuses liaisons. Mais sa femme, un jour, a trouvé dans la poche une lettre de Marie Curie demandant à Pierre Langevin de divorcer pour vivre avec elle.
Et alors, elle a donné aux journalistes. Alors, public, ça, ça a été le drame. Alors, elle a été traitée de tout. On est venu jeter des pierres sur sa maison. Ses filles étaient effrayées. On a dit que c'était une voleuse de mari, une étrangère. Enfin, ça a été un scandale, comme on imagine très difficilement. C'était affreux. Et donc, heureusement, justement, qu'on a décerné le prix Nobel, c'est ça qui a calmé les journalistes. Parce que ça a fait, c'était vraiment un scandale. Ça s'appelle le scandale de l'affaire Langevin. Mais en même temps qu'ils l'ont donné le prix, ils ont dit à Marie Curie, mais si vous voulez ne pas venir chercher le prix, ne vous dérangez surtout pas. Pas de vague. On vous connaît, vous avez déjà eu un prix. Voilà. Elle a dit, si, j'y tiens absolument. Et donc, elle est arrivée, elle a pris son train et elle est allée chercher son prix et expliquer... En affirmant haut et fort que c'était sa découverte cette fois-ci et qu'on ne pourrait pas la contester puisque son mari était mort. Et elle a quand même rendu d'abord hommage bien à sûr, son mari. Bien sûr. Dans son discours. Alors, je parlais de Pierre Curie. La présence des hommes dans les parcours de ces femmes, que ce soit leur père, présent ou absent d'ailleurs, et ou un mari ou un compagnon, c'est aussi important dans le parcours de ces femmes. Hier, dans l'échange que nous avions avec Laura Adler et Nathalie Lozon, on parlait des mentors, il y a un peu de ça aussi. Totalement. C'est-à-dire presque toutes, elles ont un homme à leur côté, soit un mentor qui est dans l'élan du départ et qui les lance et qui les accompagne au moins une partie du trajet, et ou bien un compagnon, un collègue scientifique qui peut être le mari. Et quatre ont été nobélisées avec leur mari. La plupart ont été nobélisées avec un collègue masculin. Et il n'y en a que deux qui ont vécu, deux sur donc 17, qui ont vécu un parcours en solitaire. C'était leur idée au départ et elles se sont débrouillées toutes seules. Elles ont une vie encore plus difficile, peut-être, celle-là. Mais il y a toujours un homme. Et puis alors, le père est important, il est primordial. C'est aussi dans les choses communes de toutes ces femmes, dans leurs caractéristiques. Le père est déterminant, il est toujours présent. Soit, dans la plupart des cas, et c'est lui qui initie sa fille aux choses scientifiques, ou souvent d'ailleurs à la culture, parce que souvent, en particulier au siècle dernier, les scientifiques étaient aussi... faisait partie de la société cultivée. Et donc, en même temps qu'il les initiait aux choses scientifiques, il les initiait aussi à la culture. Donc, beaucoup apprécient la littérature, la peinture et la musique. Ça vient aussi en même temps. Et puis, surtout, le père les encourage à poursuivre leur carrière. Et leur dit en plus de l'autorisation qu'il leur donne, bien sûr, pour la fac, il les pousse à ça. Ça, c'est presque tout. C'est comme ça. Et sauf deux pour qui, au contraire, le père est un obstacle, c'est la fameuse Rita Levi-Montalcini, dont le père est un grand misogyne de l'époque victorienne, et pour lesquels la femme avait un royaume, c'était la maison. La maison, là, c'est la reine, et elle règne sur la domesticité et les enfants. Elle est faite pour éduquer les enfants, et peut-être jouer un peu de piano et animer quelques soirées après avoir bien veillé sur les réjouissances culinaires. Mais voilà, donc ça, c'était son père. Donc, elle le détestait, mais en même temps, elle l'admirait quand même parce qu'il était brillantissime et très cultivé. C'était, vous savez, ces familles du nord de l'Italie, là, comme les Fizzi Contini ou la famille de Carla Bruni. Vous voyez, ce genre de familles qui sont particulières. Turin. Nord. Et puis... Françoise Barré-Sidoussi, la dernière prix Nobel, dont le père était un méditerranéen pur et dur macho. En plus, c'était pas un milieu particulièrement cultivé, c'était pas du tout ça. Elle était fille unique, donc il faisait régner dans la famille avec sa femme et sa fille une ambiance très très stricte et très difficile pour elle. Et donc, il s'est opposé. Enfin, voilà. Et donc, elle, ça l'a peut-être stimulée, parce que elle est beaucoup plus modeste et beaucoup plus discrète que la plupart des autres prix Nobel. Elle, c'est une fille qui est très... Elle est assez modeste, mais je crois qu'elle a mis toute son énergie pour combattre son père, et peut-être c'est ça qui l'a stimulée, parce qu'il fallait qu'elle lui prouve qu'elle, elle était une fille, mais elle était forte. Et il paraît quand même qu'il était très fier quand elle a eu le prix Nobel, mais il ne lui a jamais dit, il le disait à son entourage, il le disait à ses amis, à sa famille, mais à sa fille, il n'a jamais dit à quel point il était fier. C'est quand même une drôle de mentalité. Vous avez côtoyé Françoise Barré-Sidoussi? Je l'ai connue un peu, parce que j'ai à peu près... près de la même génération, et puis elle est immunologiste, moi je suis hématologiste, et puis en plus le premier malade qui a permis de visualiser le virus du sida, c'est un malade de la Pitié-Salpêtrière du service au-dessus du mien. C'est une histoire, c'est un patient qui avait accepté qu'on fasse une
une biopsie ganglionnaire pour la recherche, parce que Willy Rosenbaum, qui était le clinicien de l'époque, qui s'était spécialisé dans le sida, il avait remarqué qu'au bout d'un certain temps, ces gens avaient plein de ganglions. Donc il s'est dit peut-être que le virus, il est dans un de ces ganglions. Donc il a fait une biopsie d'un ganglion. Les patients ont beaucoup aidé dans la découverte du sida, ça tout le monde le sait. Ils ont beaucoup contribué aux avancées scientifiques. Et donc le patient a dit oui, je suis d'accord, donc on l'a opéré, et c'est comme ça que Françoise Barré-Sinoussi, d'un côté, a trouvé dans les cultures le fameux virus. Enfin, ça a été... Avec Luc Montagnier. C'est Luc Montagnier qui a... Enfin, c'est dans son équipe qu'on a visualisé en microscopie électronique le virus, mais c'est Françoise Barré-Sinoussi qui a cultivé les cellules ganglionnaires, qui a permis que ce virus s'expande. Oui. Et après qu'il soit visualisé par l'équipe de Montagnier. Que reste-t-il justement? Alors sur les 17, 3 sont des prix de Nobel de sciences dites dures, physique, chimie. Les autres sont des prix Nobel de médecine. Que reste-t-il dans les applications aujourd'hui de ces prix Nobel, de ces découvertes de prix Nobel de sciences? Bon, elles font partie de l'histoire des sciences et toutes ces découvertes sont très importantes, pas plus que celles des hommes, mais tout à fait. Pas moins. C'est-à-dire, j'aurais bien fait toute l'histoire. Enfin, j'aurais été autant intéressée, au moins par les découvertes scientifiques, pas forcément par les biographies des hommes, parce qu'elles n'ont pas été victimes du mot. J'ai jamais compris vraiment l'équivalent du mot misogynie. Je ne sais pas trop s'il existe. Il n'est pas vraiment. C'est un signe aussi. Hein. Anti-miso, andromiso, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais ce sont des découvertes majeures. L'histoire du sida, la radioactivité naturelle Marie Curie, sa fille, la radioactivité artificielle, participation au phénomène de la fission nucléaire avec l'Allemande Maria Koppermeier, ils ont contribué quand même au lancement de la première bombe aussi, finalement. Enfin, leur découverte, jusqu'à cette époque-là d'ailleurs, jusqu'à l'époque de la fille de Marie Curie et puis de Maria Koppermeier, qui a participé à la compréhension du phénomène de la fission nucléaire, et donc qui a été révélé par les bombes qui ont été lancées sur Nagasaki. Et elle a d'ailleurs, quand elle a émigré aux États-Unis, elle s'est tenue à l'écart. Bien sûr. Donc c'est à partir de ce moment-là, ce que je voulais dire, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte d'ailleurs des dangers, que la science pouvait être dangereuse, parce qu'avant la science n'était considérée que comme source de progrès. C'est ce que disait Marie Curie en particulier. À partir de là, on a compris quand même, à partir de 1945, on a compris à quel point la science devait être contrôlée. D'ailleurs, il y a des mouvements des savants qui ont essayé de créer des mouvements pour que toutes les nouvelles découvertes scientifiques et toutes les applications qui en sont faites par les gouvernements soient en fait encadrées par les savants. On appelait avant les chercheurs les savants, soient encadrées par les savants et qui devaient limiter leurs applications. Mais en fait, vous savez bien que les savants, on dit plus ce mot-là, d'ailleurs aujourd'hui, on dit plus les scientifiques. Et maintenant, les politiques ne s'occupent plus beaucoup de l'opinion des savants en termes d'application, mais plus des économistes. Oui. Ils s'occupent davantage des conséquences économiques ou stratégiques. Je disais dans mon court propos introductif, je posais la question, les femmes sont-elles plus aptes aux sciences ? Je posais cette question parce que a été menée l'année dernière une enquête au niveau européen auprès des Français et qui donne un résultat stupéfiant que je vous laisse annoncer. Oui, vous faites allusion à l'enquête du Point qui a été publiée l'année dernière en septembre 2015, donc c'est quand même extrêmement récent, et qui a révélé que 2/3 des Européens, et presque autant les femmes que les hommes, je crois que c'est 66% pour les femmes et 67% pour les hommes, pensent que les femmes ne sont pas aptes aux sciences dures. Voilà. Et qu'elles n'ont pas les aptitudes nécessaires pour être performantes en physique, en chimie et en mathématiques. Et en revanche, quand on leur demande « Est-ce que vous aimeriez que les femmes aient aussi souvent le prix Nobel que les hommes ?» elles répondent
ils et elles répondent oui, oui, bien sûr, dans la même proportion, oui. 63%, je crois. Voilà, c'est étonnant. Oui. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que les femmes aient la c'est même ça. Chose. Et ce sont les Allemands qui sont les plus convaincus. Mmh. 70%, je crois, des Allemands pensent que les hommes sont bien meilleurs. Alors, pour les sciences dures. Comment expliquez-vous ça, ce poids qui règne encore, qui pèse encore sur les épaules des femmes, au point de les empêcher d'être elles-mêmes convaincues qu'elles peuvent mener des carrières scientifiques? Je crois que vous avez un peu évoqué ça hier, justement, dans votre dialogue avec Nathalie Loiseau et Laura Adler. C'est vrai qu'il y a une éducation, et ça commence dès les livres scolaires et même dans l'éducation parentale. On a tous en nous des schémas, même si on n'en a pas vraiment confiance, des petits garçons qui sont sportifs et intellectuels, et des filles qui sont appliquées, qui mémorisent les choses et qui sont un peu plus calmes. Et qui sont peut-être autant d'aptitudes qui devraient les entraîner naturellement vers les sciences. Oui, mais je ne crois pas qu'il y ait un détail. Mais la loi du déterminisme biologique, justement, est de nouveau en vigueur récemment, et en particulier chez les psychologues nord-américains, qui relancent cette loi selon laquelle les filles seraient plus intuitives et les garçons plus rationnels, ce qui donc a pour conséquence les garçons sont meilleurs pour les sciences dures. Et en fait, ces propos ne reposent sur des tests assez abscons et qui ne sont pas vérifiés. Et au contraire, les dernières découvertes des neurophysiologistes actuellement, et en particulier grâce au progrès de l'imagerie médicale, en particulier de l'imagerie par résonance magnétique, on s'est rendu compte d'une propriété extraordinaire du cerveau qui est la plasticité cérébrale. En fait, on a dans le cerveau des milliards de connexions nerveuses, de connexions cellulaires, neuronales, qui se développent tout au cours de la vie, selon les événements de la vie, les rencontres, les émotions, etc. Et en fait, seulement 10% de ces connexions existent à la naissance. Et 90% se sont créées autour de la vie, ce qui confirme les données, les affirmations de Rita Levi-Montalcini, entre autres. Ce qui fait que si on fait actuellement une IRM cérébrale à un homme et à une femme adulte, les différences qu'on observe entre les deux, on est incapable de dire si elles sont innées ou acquises. Oui. Donc il n'y a aucune raison objective de dire, si ce n'est l'autocensure liée justement à cette pression sociale et à l'éducation, mais il n'y a aucune raison scientifique valable, explicable et démontrée qui permet d'affirmer que les femmes sont moins capables que les hommes d'être performantes et d'effectuer des carrières scientifiques. Votre livre est sorti en septembre. 7 septembre. Voilà, avant l'édition 2016 du Nobel. Aucune femme au palmarès. Voilà, j'étais contente pour mon livre, je dois le dire. Parce que je me suis dit, encore d'actualité, ça ne change pas le titre. 17, ça ne change pas, c'est bon. Mais aucune femme n'a eu un prix Nobel scientifique, mais même ni la paix, ni la littérature. En général, la proportion des femmes, jusqu'à maintenant, il y avait 5% de femmes prix Nobel. Si on considère toutes les disciplines, il y en a 5. Hein. Il y a la paix, la littérature, la physique, la chimie. L'économie. L'économie, non. Non. Enfin, ouais. Non, je parle des sciences d'abord. Oui. Physique, chimie, médecine et physiologie, paix et littérature. L'économie, on appelle à tort prix d'économie, mais c'est un prix qui a été institué en 68 par la Banque de Suède et qu'on appelle par facilité, oui. Qu'on appelle prix Nobel. En l'honneur, ça a été fait en l'honneur d'Alfred Nobel et par facilité, on dit c'est le prix Nobel. C'est un prix Nobel, mais c'est vraiment créé par la Banque de Suède en 68, alors que les autres ont été créés par Nobel lui-même qui voulait ces cinq prix soient attribués à des bienfaiteurs de l'humanité dans chacune de ces catégories. Mais pour revenir au sujet de la nomination des femmes, donc j'étais très étonnée que cette année il n'y en ait pas. Et il y a 5% donc des femmes, toutes catégories confondues. Et pour les matières scientifiques, il y en a moins de 3%. Il y en a exactement 2,9%. Donc cette proportion diminue encore cette année, puisqu'il y a eu 8 prix Nobel et aucune femme. Mmh. Et pourtant, vous, en faisant le portrait de la dernière d'entre elles l'année dernière, Yu-Yu
Tu, chinoise, hein, c'est oui. ça, prix Nobel de médecine. Vous pensiez que c'était peut-être un signal envoyé par le comité Nobel en disant tiens, on va quand même augmenter notre part de femmes, d'attribution de prix Nobel aux femmes. Et puis finalement. Oui, surtout que Yu-Yu Tu, elle était tout à fait atypique, puisqu'elle était chinoise, déjà, c'est pas tellement dans le domaine des prix Nobel, qui pour le moment étaient tous européens ou américaines. Ouais. Ensuite, elle n'avait pas publié dans les journaux qui font référence, qui sont les grands journaux scientifiques, c'est là-dessus qu'on s'inspire et qu'on juge de la qualité d'un candidat. En fait, je crois que dans les choix, d'ailleurs, enfin, depuis que je me renseigne un peu de près, je suis un peu inquiète parce qu'en fait, vous voulez que je vous raconte comment ça se passe pour le Nobel, très bien. Les coulisses du Nobel. Comment ça se passe d'ailleurs en théorie. En théorie, il y a un comité Nobel pour chaque spécialité, constitué de 5 membres élus pour 3 ans. Et qui appartiennent soit au Parlement norvégien pour la paix, soit à l'Académie des sciences pour la physique et la chimie, à l'Institut Karolinska de Stockholm pour la médecine. Et en fait, ils sont 5 membres élus pour 3 ans. Mais en fait, il paraît qu'ils ne font pas tant la loi que ça. D'abord, ils font partie d'académies et d'académies dont ils sont issus votent. Et en fait, tous ces gens sont sollicités par les spécialistes dans chaque discipline. Alors en fait, en physique, en chimie, etc., ce sont ceux qui publient et qui sont les stars en médecine, etc., qui conseillent. Donc je pense qu'il y a des échanges à la fois politico-scientifiques. Un peu de lobbying peut-être. Et, un peu de lobbying peut-être. Oui, oui. Et c'est pas si clair que ça. Ouais. D'autant plus qu'il y a un secret imposé et toutes les délibérations doivent rester secrètes pendant 50 ans. Donc, alors pour Yu-Yu Tu, on a pensé que là, ils étaient extraordinaires. Ils faisaient pour une fois, ils donnaient le prix Nobel à des gens qui n'étaient pas solvables, puisque c'était pour le paludisme, donc pour des malades, pour l'Afrique, pour les pays quand même assez déshérités sur le plan médical, et pas très rentables pour les sociétés pharmaceutiques qui font beaucoup la loi quand même. Donc on a dit c'est formidable. En plus, elle n'a publié que dans des journaux chinois, vous imaginez. Oui, c'est ça. Ce qui est indispensable, c'est de publier dans les grands journaux américains, bien sûr, ou anglais, enfin dans les journaux de langue anglaise. Et ce n'était pas du tout son cas. Donc on s'est dit, ça y est, ils sont sur la bonne voie. Maintenant, non seulement ils ne vont plus tenir compte de critères de célébrité, mais en plus, ils vont se tenir compte vraiment que des faits. Il va y avoir des femmes maintenant, alors, à larga manu. Bon, voilà, pas du tout. J'ai lu il y a quelques jours quelque chose de très très horrible. On m'a dit qu'il y avait des membres des comités Nobel qui avaient été invités en Chine avant le prix Nobel et qui avaient eu des voyages. Un hasard, coïncidence. J'espère que ce n'est qu'un horrible ragot, parce que le prix Nobel est quand même la plus grande récompense qui soit, enfin vraiment. Donc on a envie que ça se passe le plus honnêtement possible. Combien de femmes dans le comité Nobel? Je pense qu'il n'y en a pas, on ne sait pas. Elles sont élues. C'est secret. Je crois qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas. Est-ce que depuis la sortie de votre livre, vous intervenez devant des publics de jeunes filles, de lycéennes, d'étudiantes? Pas pour le moment, c'est récent. Non, j'ai fait c'est surtout des journalistes de la presse écrite ou radio et un peu télé, mais je n'ai pas eu ça. Mais par contre, j'ai quelques lettres, mais pas tellement jeunes, non. Si j'ai quand même les étudiants. J'ai le journal qui s'appelle L'étudiant. Tout à fait. Donc là, il y a un site et puis un article. Et effectivement, donc j'ai pas lu les tweets et les choses comme ça. Mais par contre, j'ai des mails. Enfin, j'allais dire des lettres, mais non, ce sont des mails maintenant. Et c'est des hommes qui m'écrivent. Et que vous disent-ils? Eh ben, ils me disent qu'ils sont féministes. Ça, c'est très féministe, qui ont été très contents de lire mon livre. Certains me disent que je ne l'étais pas vraiment, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était difficile pour les femmes. Et surtout, continuez à vous battre, surtout que ces femmes ont fait des choses extraordinaires. Il n'y a pas tellement de femmes qui m'écrivent. Enfin, si elles me disent c'est bien, c'est formidable, ça m'a passionnée. Mais vraiment, des lettres documentées, je n'en ai eu que de personnes de sexe masculin, de tous les âges. Je trouvais ça sympa. Vraiment.
Vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas l'intention, en écrivant ce livre, de faire un livre féministe, militant, qu'il est un peu devenu à votre insu maintenant. Est-ce que, justement, sur la poursuite de ce que la question que je viens de vous poser, est-ce que vous pensez que vous pourriez être utile en parlant de ces femmes auprès de ces jeunes filles pour contribuer à les convaincre d'oser? Je pense que ce serait intéressant pour elle qu'elle sache, parce qu'on ne sait pas. Moi-même, je ne savais pas à quel point le féminisme avait été un fléau. Je crois qu'il l'est moins. Je crois quand même, comme vous l'avez dit aussi hier au cours de votre discussion, je crois quand même qu'il faut être très vigilante, d'autant plus qu'on a quand même l'impression... D'abord, on n'est pas très conscient de sa propre intériorisation d'une certaine misogynie. Les femmes sont un peu misogynes. Et je crois qu'il faut être vigilant dans la mesure où il y a peut-être une petite recrudescence. Quand même, on a vu les propos de Trump, je ne vais pas les rappeler, c'est très pénible, mais quand même, lui et son entourage tiennent ouvertement des propos sexistes, et sans que ça ait l'air de faire scandale tant que ça, puisque quand même la majorité des Américains ont voté pour lui. Et qu'il y en a d'autres. Il y a aussi le biochimiste. Vous devez connaître l'histoire de Tim Hunt. Oui, c'est notre préféré. Hein. On a échangé là-dessus. Oui. On l'aime bien, lui. Oui, hein. C'est un biochimiste anglais. Prix Nobel. Prix Nobel lui-même, en 2001, je crois. Prix Nobel de chimie. Et il a choisi une conférence internationale des journalistes scientifiques qui était à Séoul, je crois. Donc, il y avait la foule pour dire à quel point les femmes étaient nuisibles dans les laboratoires de recherche et qu'il serait souhaitable de les éliminer. Parce qu'il disait, et alors, il argumentait ça en disant, écoutez, les femmes dans les laboratoires, voilà comment ça se passe. Vous tombez amoureux d'elles, elles tombent amoureuses de vous et après, quand vous les critiquez, elles pleurent. Donc, il vaut mieux, ça enseigne la perturbation et le désordre. Donc, il recommande de ne pas engager des femmes dans les laboratoires de recherche. Les Anglais... Il n'a pas que le prix Nobel de médecine, celui-là. Hein. Vous pouvez lui attribuer un prix Nobel de misogynie. Non, mais il a été renvoyé par les Anglais. Il a démissionné. Il a été obligé de démissionner et il s'est excusé auprès de la communauté scientifique médicale pour les propos qu'il a tenus. Je suis sûre qu'il ne regrette rien du tout, d'autant plus que dans l'histoire de l'université, des universités anglaises, la misogynie était quand même particulièrement aiguë. Et dans l'histoire de l'anglaise, la seule anglaise qui s'appelle Dorothy Hodgkin, qui a eu le prix Nobel de chimie, c'était impressionnant ce qu'elle a dû vivre. C'est-à-dire qu'elle était à Oxford et elle a aussi travaillé un peu à Cambridge. Enfin, c'était surtout à Oxford qu'elle a fait sa carrière. Et alors là, les femmes, elles n'avaient pas le droit d'aller au bar, d'aller au dîner, quand il y avait des conférences. Quelquefois, certains professeurs commençaient leur cours en disant « gentlemen ». Elles étaient 4 filles et 300 garçons. « Gentlemen », commençaient leur cours. Et puis, certains professeurs exigeaient que les femmes sortent de leur amphithéâtre pour qu'ils daignent commencer de faire leurs cours. Ça, c'est les Anglais, quand même. Hein. Faut pas s'étonner, la création des clubs. Hein. Voilà, les clubs, c'était ça. Donc, elles n'avaient pas le droit d'y aller. Donc, il a fait que reproduire ce qui était la règle dans toute la première partie du XXe siècle en Angleterre, c'est-à-dire pas si loin. Et aux États-Unis aussi, ça pouvait être la même chose, ceci dit. Et il y en a une en particulier qui s'appelle Rosalind Yalow. Elle a réussi à être inscrite à une très bonne université, qui est l'université du Missouri. Elle était new-yorkaise. Et quand elle est arrivée, elle a eu la surprise de voir qu'elle était la seule fille sur tout le campus. C'était une université scientifique, seule pour 400 garçons. Et quand on l'a accueillie, le discours d'introduction, on l'a félicité. Et puis on lui a dit, vous savez, vous n'êtes pas la première, vous êtes la seconde depuis 1910. Il y en a eu une autre en 1917, et c'est tout, il n'y en a eu que deux. Ouais. Et elle, c'était en 1938 ou 39. Voilà. Et vous, Hélène Marlebéral? Dans votre parcours, je rappelle, vous êtes professeure d'hématologie à la Salpêtrière. Avez-vous rencontré, quel a été votre parcours? Mon parcours, il m'a paru tout simple, je dois vous dire. Mais la médecine, ce n'est pas une science dure, c'est à la charnière, parce que ça introduit l'humain. Donc c'est... Et puis en vous écoutant hier, je me suis dit, mais finalement, nous, on a évolué, je peux vous parler de mon parcours, mais mon parcours, il était simple. C'est-à-dire, j'ai dit que je voulais faire des études de médecine. On m'a dit, c'est bien pour en cas. Je ne voulais pas du tout faire des études. Mais pour en cas, on m'a dit, tu devrais faire pharmacie, parce que médecine, c'est long, c'est difficile, donc tu devrais faire pharmacie. Bon. Pour en cas où tu n'as plus de mari, tout ça. Bon.
Bon, j'ai fait médecine parce que quand même toujours en filigrane. Ah oui. Ah, oui, oui. Bon, mais enfin, j'avais envie de faire des études de médecine, oui. Donc j'ai fait des études de médecine. C'était pas pour Anka, c'était pour être médecin. Donc j'ai pas eu l'impression d'avoir des grosses difficultés. Et puis j'ai plus ma carrière quand j'ai fait mes études à Toulouse. Mais après, je suis venue à Paris. J'ai terminé à Paris. Et puis c'est allé tout simplement. J'ai eu l'impression que c'était très simple. Mais en réfléchissant, je me suis dit finalement, c'était simple, mais je me suis pas dit, je vais faire une carrière, je vais être professeur de médecine, mais ça ne m'était même pas venu à l'idée. Ça s'est fait comme ça au fil du temps parce que ça marchait bien, parce que voilà. Et en fait, c'est sur la sollicitation d'un collègue masculin qui m'a dit, mais pourquoi ? Ah, vous aussi ? Ah oui, ça ne m'est pas venu. Voilà, c'est là où je me suis dit, j'ai intériorisé la notion que je ne suis pas capable. Ça ne me venait pas l'idée. Mmh. Et je l'ai fait sans difficulté, puisque c'est un homme qui m'a encouragé à le faire. C'est sur une idée à lui. Ce n'est pas lui qui m'a fait travailler, mais c'est quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi pas ? Mais oui. Finalement, oui. Et puis voilà. Et puis après, j'ai eu envie et j'ai fait. Mais je n'ai pas eu de difficulté. Et puis, en vous écoutant hier, je me suis dit, finalement, nous, on est très bonnes. Parce que hier, en médecine, parce que maintenant, en médecine, il y a pratiquement plus de femmes que d'hommes. Tout à fait. Et il n'y a aucune discrimination de toutes sortes. Hier, Laura Adler, comme Nathalie Loiseau, elle disait à quel point elles ont eu des difficultés, qu'encore aujourd'hui, pour être en politique ou dans les postes clés, les femmes sont payées beaucoup moins que les hommes. Et ensuite, elles ont de grosses difficultés pour accéder aux postes de responsabilité. En médecine, on a gagné. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, à Toulouse, il y a quelques décades, eh bien, franchement, on était deux filles, à peu près, pour une ou deux filles pour 10 garçons. Et pour vous dire quelque chose qui n'est pas du tout féministe, c'était plutôt sympa. Mais bon, je ferme là. Ça, vous ne le répétez pas, mais ce n'est pas désagréable. Donc, ça reste entre nous. Oui. Et aujourd'hui, la proportion... S'il y a des féministes, elles avaient scandalisé, je suis désolée. Mais maintenant, la proportion, il y a beaucoup. Plus de femmes, donc il n'y a aucune discrimination, vraiment. Il y a autant maintenant de femmes professeurs, je crois, enfin, je n'ai pas compté, mais ça ne me paraît pas un obstacle d'être une femme. Et puis en plus, n'importe quelle spécialité, c'est-à-dire elles ne veulent plus faire de la médecine générale comme les hommes. Et alors les plus brillantes, elles veulent être chirurgiens. Il y a beaucoup d'urologues, vous voyez, ce métier où on s'occupe essentiellement de prostate quand même. Oui. Il y a beaucoup de femmes parce que c'est de la chirurgie. Et puis il y en a aussi qui peuvent faire. Enfin bon, je veux dire, elles ne reculent devant rien et elles sont. On leur dit pas, non, pas chirurgien une femme, pas du tout, oui. Pas du tout. Mmh. C'est voilà. Donc et en plus les salaires sont exactement les mêmes. Enfin quand on est assimilés fonctionnaires, hein, donc c'est on peut faire. Après il y en a qui font du privé en plus. Bon ça, elles font ce qu'elles veulent, mais il y a aucun obstacle. En médecine. Mais bon, le problème, c'est en physique, par contre, et en chimie, c'est encore terriblement misogyne. Oui, oui. Et ça, je sais qu'en physique, elles ont des très grosses difficultés. En dehors de leur autocensure personnelle, puisqu'on leur dit « mais t'es pas fait pour ça, c'est trop dur », et qu'elles le croient souvent, comme ça a été dit hier. Mais en plus, je crois qu'elles sont brimées pour arriver au poste de responsabilité, vraiment en physique. Je crois qu'elles sont pas du tout populaires. Mmh. Quelles sont les avancées notables dans votre spécialité, l'hématologie ? Là, ça n'a rien à voir avec les femmes, forcément. Eh ben, elles sont énormes, les spécialités. C'est-à-dire que en pédiatrie, grâce en particulier à une des prix Nobel, là, qui s'appelle Gertrude Hélion, ça a été sa première découverte. Les enfants qui avaient des leucémies aiguës mouraient presque tous, pratiquement assez rapidement, et maintenant presque tous guérissent, les enfants. Et les adultes, on en guérit beaucoup. Ensuite, il y a beaucoup d'autres maladies qui étaient mortelles quand j'ai commencé, maintenant qu'on guérit, enfin, on en guérit beaucoup, grâce aux chimiothérapies. Marie Curie, elle a commencé à créer la radioactivité, qui a été le premier traitement contre le cancer, avant qu'il y ait les chimiothérapies. Et les chimiothérapies ont considérablement amélioré le pronostic de deux tiers des cancers qu'on guérit. Et en hématologie, on guérit beaucoup de maladies qui étaient mortelles il y a 30 ans. La greffe de moelle osseuse et maintenant de cellules souches, elle marche vraiment dans beaucoup de cas aussi. Et ça a été un progrès extraordinaire, vraiment. Je vous posais la question tout à l'heure de savoir si vous interviendriez. Si on vous le demande, j'ai peine à imaginer que vous refuseriez d'intervenir devant des jeunes filles. Irène Joliot-Curie, qui a repris avec talent le flambeau
paternelle et maternelle. Elle a, elle a essayé, elle aussi, de changer les choses justement dans l'éducation des filles et l'ouverture des sciences aux filles. Elle et son mari se sont engagés en politique et l'ont payé cher d'ailleurs. Ils l'ont payé cher. D'abord, elle a été ministre. Elle n'était pas ministre, secrétaire. Oui, secrétaire d'État, je ne sais plus d'ailleurs. Et alors, elle a essayé, dans son but, c'était effectivement de donner l'accès. Son mari a créé le CNRS et elle voulait améliorer les chercheurs, hommes ou femmes, leur statut et surtout les budgets accordés à la science et à la recherche qu'elle trouvait insuffisants. Et aussi, elle voulait, pour les femmes, leur donner l'accès aux études scientifiques beaucoup plus facilement, puisque donc il n'y avait pas la même éducation pour les femmes comme pour les hommes. Et puis, elle voulait s'occuper aussi du droit de vote des femmes. Oui. Et elle a démissionné au bout de 6 mois, parce qu'elle était l'objet de colibés. Inutile de vous dire que la seule femme dans ce gouvernement, dans le gouvernement de Léon Blum à l'époque, elle n'était pas très populaire. En plus, elle n'était pas spécialement gracieuse au l'enterrement. Elle n'était pas du tout coquette. Et elle était assez dure et elle était très franche, très directive. Mm-hmm. Et donc, elle n'avait pas les arguments de la séduction. Elle n'en usait absolument pas pour faire passer ses idées. C'était le raisonnement et la volonté. Et ça ne plaisait pas à ses collègues masculins. Et puis, elle trouvait que ça n'allait pas assez vite. Mm. Donc, comme le vote des femmes, alors vraiment, ça a été rejeté très rapidement par le gouvernement. Elle a démissionné au bout de 6 mois. Mmh. Voilà. Mais c'était un de ses chevaux de bataille vraiment important, le féministe. Elle a d'ailleurs donné beaucoup de cours. Elle a créé une école de femmes pendant la guerre, de former des radiologues. Elle a formé beaucoup d'infirmières et de techniciennes pour les laboratoires. Enfin, elle s'est vraiment battue pour la cause des femmes. Et en plus, ce pourquoi elle a été très mal vue ensuite avec son mari, c'est pour des raisons politiques. Elle était sympathisante politique et son mari était carrément politique. Et donc, après la guerre froide, à ce moment-là, après avoir été au top intellectuellement et politiquement, ils sont tombés, ils ont fini quasiment vidés de leur poste. Lui avait un poste important, il était directeur du CEA, directeur du CNRS, il avait créé le CNRS, il avait un poste important, il a été renvoyé de ses responsabilités. Ils ont fini, ils travaillaient dans leur laboratoire, mais ils n'avaient plus aucune responsabilité officielle. Et ils sont morts en plus des conséquences de leur travail, puisqu'ils sont morts comme Marie Curie, tout à fait. De maladies liées à la radioactivité pour lesquelles ils ne prenaient aucune précaution. Irène Joliot-Curie, Irène Curie a décidé très rapidement d'associer le nom de son mari au sien. Et son mari en a fait de même. Oui, parce que finalement, comme il signait pratiquement les mêmes articles, il a signé Joliot-Curie. Elle était pour l'égalité complète dans le mariage. Elle trouvait que elle était quand même assez novatrice en 1930. Hein. Mmh. Et donc, elle a décidé de s'appeler Joliot-Curie. Et son mari, finalement, qui l'admirait beaucoup, qui était très féministe, et qui était plus jeune qu'elle, ce qui était aussi très... Maintenant, les cougars, le mot n'existait pas. Et c'était peu courant. Elle n'avait que 50, puisque son mari. Hein. Mais ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Mais lui était très féministe, donc il a fini par signer comme elle. Et donc, il signait Joliot-Curie. Et ce qui est très drôle, d'ailleurs, c'est que la petite fille a épousé l'amant de sa grand-mère. Donc, elle fait de la recherche, mais elle s'appelle Joliot Langevin. Exactement. Hélène aussi, je Hélène, crois. Hélène, oui, absolument. Qui est scientifique elle-même. Qui est scientifique, absolument. Et au Panthéon, Marie Curie repose à côté de son mari, mais pas très loin de son amant, parce que Langevin y est aussi. C'est une jolie histoire. Il y a eu de remarquables biographies de Marie Curie. Oui, c'est écrite. Fantastique. Ouais. Cette vie est vraiment très étonnante. Ah, vraiment. Vous parlez de la cérémonie du Panthéon. Mitterrand avait eu une belle citation que je dois avoir notée, effectivement, où il soulignait à quel point cette femme avait dû lutter dans un monde où on pensait que les sciences étaient faites exclusivement pour les hommes. Est-ce que c'est votre première incursion dans l'écriture ? Absolument. Est-ce que ça vous donne envie de poursuivre, et notamment sur ce sujet autour de la science ? Alors, j'aurais adoré être capable d'écrire un roman. Je ne crois pas. Enfin, j'ai pas assez d'imagination pour ça. Et puis, j'ai vraiment beaucoup apprécié
ce que j'ai fait avec ce livre, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, ce que j'espère sera apprécié des lecteurs. J'ai été autant intéressée par la vie personnelle de ces femmes, leur origine sociale, leur psychologie, les combats personnels qu'elles ont menés parce qu'elles étaient femmes ou pour le contexte socio-historique. Tout ça m'a beaucoup intéressée. Mais parce qu'il est indissociable de leur parcours scientifique. Et puis leur parcours scientifique aussi m'a beaucoup intéressée. La jeunesse d'une découverte qui est quand même très importante, parce que pour qu'elle soit... Parce que même s'il y a une partie copinage, piston, etc., c'est quand même, je crois, relativement récent d'abord. Et ces découvertes sont fondamentales pour la médecine ou pour la science. Et de savoir comment on arrive... Quelle est d'abord, chaque fois que j'en découvrais une, je me disais, qu'est-ce que je vais trouver? Donc c'est intéressant, chaque fois ça change. Chaque biographie est une nouvelle histoire, c'est comme des nouvelles en fait. Et donc je me disais, qu'est-ce que ça va être cette découverte? Quel est le sujet? Parce que je ne les connaissais pas, plupart je ne connaissais pas, à part François-Marie Sinoutier et les Curie. Et donc, qu'est-ce que je vais découvrir? Comment elles s'y sont prises? Quelles sont les étapes? Quelles sont leurs difficultés? Voilà. Et c'est ça que j'ai essayé de faire partager, c'est cet accès. Donc je suis partie, je crois l'avoir expliqué assez simplement, c'est-à-dire que même si on n'a pas fait d'études scientifiques, avec le bac, je crois qu'avec le bac, ça va, on comprend, et puis après, on peut laisser. Mais ça fait partie de la vie vraiment comme elles étaient. D'abord, elles ont travaillé tout le temps, donc c'est indissociable de leur vie, et puis on voit leur cheminement, et c'est ça qui m'a intéressée. Alors la suite, je ne pense pas que je vais faire les hommes, parce que là, il y en a trop, vraiment. Et puis, mais ça m'intéresserait a priori, mais je pourrais faire les hommes, je pourrais faire une période. Non, mais je ne sais pas ce que je vais faire, je ne voudrais pas me spécialiser forcément dans le féminisme non plus. Et je crois quand même que c'est dans ce genre de livre que je suis le plus légitime, parce qu'à la fois, je peux parler un peu de carrière scientifique, puisque j'en ai fait une, tout, pas comparable évidemment, je n'ai pas le prix Nobel et je ne pense pas l'avoir, enfin, je n'attends pas. Et Rita Levi-Montalcini l'a eu très tard. Elle l'a eu à 80 ans, 82 ans, je crois, il y en a une autre aussi qui l'a eu à 80 ans, Barbara McClintock. Oui, il y en a qui l'ont eu bien après. Non, mais elles avaient fait des choses importantes. Je crois que d'abord, pour avoir le prix Nobel, il faut vraiment n'avoir fait que de la recherche. Mmh. Et donc, il n'y a pas de médecins qui ont exercé leur médecine qui l'ont eu, à ma connaissance. Hein. Mmh. Il faut avoir fait que de la recherche toute la vie à un très, très fort niveau, vraiment. Mmh. Voilà, donc je ne sais pas trop. J'espère continuer. Je ne suis pas encore décidée. Je profite de ça. Je vis avec mes Nobel encore, comme je les appelle familièrement. Voilà mes Nobel, donc 2 LES. Et voilà. Mais je n'ai pas de projet, mais j'ai l'intention de continuer. Voilà. En tout cas, c'est un encouragement que nous donnons, Hélène Merle-Béral. On n'a pas parlé dans la vie personnelle de ces femmes. Certaines ont fait des choix. Les enfants, toutes n'ont pas eu et n'ont pas voulu. Alors, ça reste le problème. Effectivement, la maternité est un problème parce que certaines, dont Françoise Barry-Sinoutier, dont Rita Levi-Montalcini, ont fait le choix, elles l'ont dit, de ne pas avoir d'enfants parce qu'elles n'imaginaient pas de sacrifier la recherche à l'éducation pour s'occuper des enfants et inversement, ne pas bien s'occuper des... Voilà. Pour d'autres, ça a été un peu difficile. Il n'y en a qu'une qui a eu 3 enfants, c'est l'anglaise. Mmh. Et elle a eu quand même beaucoup de difficultés à le faire. Enfin, elle les a élevés dans des conditions un peu difficiles. 4 en ont eu 1, et les autres en ont eu 2. Mais enfin, il y en a 5 qui n'en ont pas eu. Et 5 ou 4, je ne sais plus, en ont eu qu'un. Mmh. Donc, c'est un problème. Et... On disait hier, vous disiez aussi que dans les pays du Nord, c'est très égalitaire, mais les pays du Nord de l'Europe, mais pas en Allemagne. Et même en Allemagne, aujourd'hui, c'est difficile de faire une carrière scientifique, même aujourd'hui, et d'avoir des enfants. Ça, vraiment, des personnes que je connais, des Français qui sont allés s'installer en Allemagne, ont dit qu'un couple disent que pour la femme, c'est très compliqué. Et pendant longtemps, même je crois que ça existe encore, on a appelé les femmes... qui faisaient appel à des nounous, comme on fait tous maintenant, pour garder leurs enfants entre midi et 2 heures pour les amener déjeuner, etc., étaient les femmes corbeaux, parce que les corbeaux ont la réputation de délaisser leur progéniture. Et donc, on les appelait les femmes corbeaux, parce que, et souvent, les écoles et les maternelles et les écoles primaires n'avaient pas de cantine,
pour obliger les femmes à venir chercher leurs enfants entre midi et deux heures pour les faire manger. C'est celle-là qui faisait appel à des nounous pour venir s'occuper des enfants qui étaient traitées de femmes corbeaux, et assez récemment. Voilà, et je crois que c'est encore assez mal vu, dans certains milieux, en tout cas en Allemagne aujourd'hui. Donc il faut quand même rester assez vigilant. Et certaines ont vécu aussi, celles qui ont eu des enfants, l'ont vécu dans la culpabilité parmi les Nobel. C'était le cas de l'Israélienne Ada Yonat et de Maria Koppermeier, par exemple, qui étaient des femmes très maternelles, mais qui ont tellement travaillé qu'elles ont eu des difficultés. Elles étaient culpabilisées de laisser des enfants à des nounous. Et de... Voilà, ça, c'est... toutes les femmes, je crois, ont vécu plus ou moins ça quand même. N'aimeriez-vous pas enseigner ? Ça fait partie de la fonction des hospitalo-universitaires que je suis, c'est-à-dire il y a une triple fonction, c'est enseignement, recherche et pratique hospitalière. Donc après, en organisant en fonction des besoins locaux et de ses propres compétences, de ses propres goûts. Et moi, j'avoue que je me suis plus consacrée à la recherche et à l'activité hospitalière qu'à l'enseignement. Mais c'est pas ce que je préfère faire, non. Non, parce qu'on est très occupé. En plus, moi, j'ai été chef de service longtemps. Donc, on a quand même, c'est très, très chargé. Et je trouve que l'enseignement prend beaucoup de temps, parce que c'est pas du tout simple de faire un cours. Il faut se renouveler, il ne faut pas dire toujours la même chose, parce que quand on fait toujours le même cours, si on ne le prépare pas, on simplifie. Or, au contraire, les choses se complexifient au fur et à mesure. Donc, il faut, voilà. Alors, effectivement, on apprend toujours, et c'est très important, le rôle de l'enseignant, mais il faut le faire bien, il faut le faire à fond, et franchement, quand on a des activités diversifiées, je trouve qu'on le fait moins bien. Voilà. Les jeunes femmes au milieu desquelles vous travaillez dans le laboratoire qui est le vôtre aujourd'hui, ont-elles lu votre livre ? Comment l'ont-elles reçu ? Vous en avez parlé ? Ah bah oui, mais bien sûr. Bah, je ne sais pas si elles sont sincères, mais forcément elles adorent. D'abord, elles sont contentes, elles sont très fières, donc elles sont contentes. Mais franchement, elles sont satisfaites, mais elles ne se sentent pas victimes de... Elles ne se sont jamais senties victimes de misogynie. Elles trouvent que c'est intéressant de voir que les femmes ont fait des choses importantes. Voilà. Et elles sont contentes que je l'ai fait. Voilà. Ça leur plaît beaucoup. Mais elles se disent pas, elles se sentent pas, elles me disent pas, oh là là, ben voilà, moi aussi je me sens victime. Honnêtement, mais je vous dis, c'est ce milieu quand même qui est très médical, même dans la recherche. La recherche, elles font la recherche dans des unités de recherche, celles auxquelles on participe, à composantes médicales. Donc nos pôles d'intérêt sont médicaux quand même. Donc ce sont celles qui sont le moins victimes d'ostracisme. Et quand on choisit des étudiants, ce qui m'a frappée, ça j'arrive pas à comprendre pourquoi, peut-être que vous pourriez m'aider. Mais par exemple, quand on fait... appel pour en juillet, on lance un appel pour ceux qui veulent faire leur DEA, maintenant l'équivalent de la maîtrise, vous voyez, leur DEA. Donc, c'est un an de stage dans une unité de recherche, avec une bourse, elles sont payées, elles sont dirigées, elles font un mémoire à la fin, il faut qu'elles publient, donc c'est leur première année dans un laboratoire de recherche, et c'est ouvert aux femmes et aux hommes en même temps. Et alors, ce que j'ai remarqué qui est très frappant, c'est un problème culturel, ça, mais je ne comprends pas pourquoi. On choisit toujours, je dis au directeur de l'unité, mais pourquoi tu choisis toujours des filles ? Vous voyez, je ne suis pas féministe. Mais pourquoi ? Il y a toujours des filles, c'est toujours des filles dans le labo. Une dominante féminine très forte dans notre laboratoire. Et donc, il me dit, mais c'est parce qu'au mois de juillet, c'est que des filles qui se présentent. Elles ont jusqu'au 1er novembre. On a jusqu'au 1er novembre pour se présenter. Le 15 juillet, il y a eu 10 filles qui se présentent, qui se sont présentées, qui ont envoyé leur dossier, qui demandent des entretiens. Donc on choisit. Il y en a qui sont bonnes. Et alors, à partir du 1er octobre, donc ils ont pris leurs vacances, je ne sais pas pourquoi, c'est que les mecs, il n'y a pas une fille. Et alors on est désolé souvent, parce que moi j'aime bien la mixité, franchement. C'est plus sympa, la mixité. Et alors là, les mecs, on leur dit, ah non, désolé, ça ne veut pas dire que... Voilà, non, c'est pris, parce qu'on est limité dans chaque laboratoire, parce qu'on ne peut pas en avoir. Non, on est forcément limité dans les choix, parce que pour obtenir les bourses, c'est compliqué, les places dans les laboratoires, puis c'est cher, donc il faut... Dans les laboratoires de recherche, la moindre manip coûte des fortunes.
enfin bon, donc il faut un financement, donc on est forcément limité. Et donc on voit défiler des jeunes étudiants charmants, voilà, performants apparemment, très motivés, mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, Hélène Merle-Béral, je crois que vous venez de faire une découverte scientifique. Les femmes sont plus organisées. Peut-être, plus prévoyantes. Ou elles pensent à leurs vacances, donc elles veulent être tranquilles. C'est ce que je dis. Et les hommes sont empressés de partir en vacances et disent, on y pensera, on a bien le temps. Voilà. En tout cas, à la question qu'on posait en introduction de savoir si les femmes sont plus aptes à la science, la réponse est oui. Vous venez de le prouver dans ce livre. Merci beaucoup, Hélène Merle-Béral, pour votre présence et pour ce merveilleux livre. Vraiment, lisez-le. Merci à vous. Merci.